voyais passer, ils sont en chenal, c'est-à-dire qu'ils partent du parc à bateau, ils n'ont pas pris la bonne allure. Le 22 vient de passer, il s'agit de Gilles Guillaume. Ça a l'air d'aller. Oh. Les trois bâtons, on est pour l'espace de... C'est tout à fait plaisant, nous n'avons passe en tête au virage. Bravo Frédéric, bien voici, très beau passage. Boulet a pris environ 10-15 mètres, je vous l'avais dit. Le 71 en deuxième position est plus rapide en ligne droite. Le 91 en troisième position tient sa place, mais la lutte se fait actuellement en tête. Le 80, voilà, le 95 continue la tête. Le 15, Ifrausfeld. Et le 17, Mathieu Olivier. Je vous rappelle Gilles Guillaume du club Aspromo qui a beaucoup fait dans cette promotion, dans cette forme de promotion. Le 15, Yves Renfeld, aussi Aspromo. Et le 17, Aurélien Joyeux, Aspromo. Le 91, Éric Fressens. Du club nautique du Échatillon. Oui, le 91 est bien accroché à la tête puisqu'il remonte progressivement. Le 95, beaucoup plus aérien.
Voilà, c'est le détail qui fait... Regardez là, le passage à la bouée. Ces deux bateaux qui, depuis tout à l'heure, font le même passage. Le 17, qui négocie vraiment mieux ses courbes, ses virages. Et au changement de bord, chaque fois, ben, il gagne facilement 5-10 mètres. 22, oui, ça s'améliore. De toi, Michael. Alors, voilà. À ce moment, ben c'est des clubs tellement. Mais je vous en parlerai après la course. Ah, ça vous plaît bien, camping ? Ouais, ouais. Bien voilà. Oh la vache. Oh putain. C'est le Vietnam dehors! Bienvenue au championnat du monde de Saigon! Et on a dit, jamais de compète en Asie les gars! Attention les vagues! Oui, vas-y, mets-toi sous la vague! On le retourne dans le parc! Oh le bordel! Vas-y, t'es gaffe! Sauvez la tasse, bordel! Souquet, capitaine! Il est où le président? Il est où Seb là? Viens voir dans quoi on vit, Seb! Ah! Oh là 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 là, de toute beauté. 2h du matin. Va falloir mettre les F4 à l'eau. De formation, alors que le départ est donné. Je vous donnerai des détails un petit peu plus tard, mais pour l'instant, le départ est donné. Les bateaux se présentent maintenant dans la ligne droite, alors qu'en tête, nous avons le 95. Le 91, le 71, le 15, le 22, les bateaux sont partis donc avec un... Voilà, et le 17 derrière qui ferme la marche. La meute de tête est bien formée. Normalement, les espaces entre les pilotes sont très courts. La négociation au virage amont va être à 7. C'est Gilles qui est deuxième. Le 22, le 15, le 95 apparemment... a eu une difficulté, il n'est pas à son allure habituelle. J'espère que le 95 nous fait actuellement une difficulté, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut être un problème d'arrivée d'essence. L'état du plan d'eau est souvent très très perturbé. Mais bah, c'est vite, il est moins en péril que celui qui va doucement. Parce que les... C'est parti la course. Regarde. Tiens, nouveau départ, vous allez le constater. Ils sont en pleine forme. Et tout à l'heure, la petite inquiétude que nous avions concernant le 95, c'était un comportement de course, ils sont clairs. Le 91 est en train de passer le 95. Le 22 remonte très bien en ligne droite. Le 15 est régulier, contre toute attente. Là, il va y avoir bagarre. Le 22, le 22 nous fait une démonstration de... de pilotage très régulier. Le 95, lui, essaye de refaire ses marques. Oui ! Essayez de voir l'ensemble du plan d'eau. Alors ? La revanche ! C'est le 71 qui est en panne. 4... Non, 91, bon. La revanche ! Voilà.
Il se remet tout doucement en route. Courage, Eric, courage. Vas-y. Et le 95 essaye de rattraper. Regardant la prestation du 95, a été bien sûr victime d'un handicap. Le 22 aura fait en tout cas une belle course de régularité. Mais vous avez vu que tout... Encore un souci, un arrêt. Voilà. Juste les drapeaux devant les... 71 qui repart alors. 71, ok. 71, le joyeux, donc ce qui est ici. 95. Je ne vous donne pas ce que je crois être le classement, puisque il y a peut-être des pénalités, il y a peut-être. On ne sait le. Bon, le 95, vous vous étonnez, vous n'êtes pas, parce que dans les précédents, il avait magistralement maîtrisé la compétition. Le 15 a eu un comportement très régulier. Et le 22 a progressé en réglage, il est beaucoup plus aérien, il est plus rapide. Voilà, en cours de circuit, il cale, il repart. Donc les résultats sont plus difficiles à analyser. Nous regardons surtout le comportement des bons virages. Voici sous le drapeau à damier. Le 95 qui va, je pense, encore un peu plus blanche. Le 22 qui mérite vraiment un... Alors ce qui est formidable, c'est qu'il termine. Il termine. Ouais.